Ce dimanche de carême, l'évangile de Saint Jean nous présente plusieurs signes accomplis par Jésus. Il offre de l'eau vive à la Samaritaine. Ensuite, il se révèle comme la lumière du monde par la vérité. Aujourd'hui, Jésus se révèle comme la résurrection et la vie. L'eau, la lumière et la vie sont des symboles du baptême qui nous introduit dans une vie nouvelle, une vie qui se renouvelle continuellement dans les processus de conversion, dans les sacrements de la réconciliation et dans chaque Eucharistie que nous célébrons. Nourris donc du pain de vie et de la coupe du salut. Nous poursuivons notre marche vers Jérusalem, à côté de Jésus, vers la victoire de sa Pâque, qui est aussi la nôtre. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oracle du Seigneur.
Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
des morts est en vous. Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit : Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que la lave. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples : Revenons en Judée. Rabbi, récemment les Juifs les disciples lui dirent : Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider. Et tu y retournes ? Jésus répondit : N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta : Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors : Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allez auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, dites aux autres disciples : Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. Marthe reprit : Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit : Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit : Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas :
Le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé, et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour est très long et beaucoup de choses seraient à dire. Alors, arrêtons-nous sur le dialogue entre Marthe et Jésus. Ce dialogue éclairera le sens de la résurrection des morts, c'est-à-dire le mystère pascal, le mystère central de notre foi. Précisons d'emblée une différence fondamentale entre cette résurrection de Lazare et celle de Jésus. La résurrection de Lazare est plutôt une réanimation, un retour en arrière, une prolongation de sa vie pour quelques années, et il mourra de nouveau. La résurrection de Jésus n'est pas une prolongation de sa vie pour quelques années, c'est un élément nouveau, non pas un retour en arrière, mais un bond en avant, l'entrée dans la vie du ciel. Ce qui est central dans ce récit, réside dans le dialogue entre Marthe et Jésus. Marthe témoigne de sa foi. Je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera ce que tu lui demanderas. Jésus répond, ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, déclare Marthe. Comme certains couples juifs à son époque, Marthe croit à
une résurrection des morts à la fin des temps. Mais Marthe n'est pas satisfaite. Cette espérance est bien trop lointaine pour la consoler de sa peine. Et nous avons envie de poursuivre bien lui-même en ajoutant. Mais d'ici là, je vais souffrir de son absence. Ma vie n'aura plus d'éclat. Ma vie ne sera jamais plus la même. C'est quoi cette vie au rabais que tu me proposes? Car tu me demandes de souffrir en me faisant miroiter tes jours meilleurs. Mais cette vie sans éclat, je n'en veux pas. Tu me fais désirer que cette vie passe le plus vite possible. Est-ce cela l'espérance que tu es venu apporter? Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, disait donc Marthe. Jésus rectifie. Il ne parle pas au futur, il parle au présent. Moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Ce passage très important mérite d'être détaillé. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il s'agit bien de la destinée ultime à la fin des temps. Puis il ajoute, quiconque vit maintenant et croit en moi ne mourra jamais. Voilà la nouveauté inouïe de la foi chrétienne en la résurrection. Dès à présent, le croyant participe à la vie de Jésus. La vie éternelle est déjà inaugurée en lui. Elle nous est déjà donnée, au présent, et non pas dans un avenir lointain de Dieu, un futur indéterminé, au calende grec. Croire en la résurrection, ce n'est pas croire en une théorie abstraite, une idée vaporeuse qui nous donnerait un vague espoir que tout n'est pas fini. Croire en la résurrection, ce n'est pas dire « oui, je crois qu'il y a quelque chose après ». C'est bien plus que cela. Cela va au-delà de ce que nous imaginons le plus souvent. Nous sommes déjà des ressuscités. Nous le deviendrons pleinement quand nous serons passés par la mort. Mais nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, puisque nous croyons en lui et que nous vivons de lui. Chers frères et sœurs, avons-nous conscience d'être déjà des ressuscités? Mais alors, comment cette vie nouvelle était déjà à l'œuvre en nous? La seconde lecture va nous éclairer. Écoutons saint Paul. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. La vie du chrétien est une vie animée par l'Esprit, à laquelle on acquiesce en Jésus, Christ ressuscité. Paul oppose la vie vécue sous l'emprise de la chair, où la créature se referme sur elle-même et se livre au péché, à celle vécue dans le Christ, inspirée par l'Esprit qui habite dans les cœurs. Paul nous interpelle aujourd'hui et nous demande ce qui influence et dirige cette notre vie de croyant. Est-ce que nous laissons l'Esprit orienter nos pensées et nos gestes dans le service du prochain? Croyons-nous que le Christ est en nous et que l'Esprit est vie, nous apportant joie et action de grâce? Cet Esprit, nous l'avons reçu au baptême. Laissons-le agir en nous. Laissons-le nous transformer et nous transfigurer. Laissons-le diffuser en nous la joie de l'Évangile et la lumière de l'amour pour
versant de Dieu pour chacun. Concluons. La bonne nouvelle de cet évangile, c'est que Jésus nous indique que, si nous avons foi en lui, nous ne ressusciterons pas simplement au dernier jour, mais que nous sommes déjà des ressuscités. Après avoir affirmé, moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi-même, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus demande à Marthe, crois-tu cela? C'est la même question qui nous est adressée aujourd'hui aux disciples que nous sommes. Crois-tu que le Christ est ressuscité et qu'il est le maître de la vie? Crois-tu qu'il peut se rendre près, proche de toi dans l'intimité de la prière et faire des miracles pour toi? Crois-tu qu'il a vraiment besoin de toi pour répandre son amour? Que répondre-nous? À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du Seigneur. Fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce,
soit ouverte à tous et soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu'elle vive de plus en plus la synodalité et accueille tous les catéchumènes. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Délie nos mains et nos pieds et donne-nous le désir d'écouter et d'agir. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Que chacun de nous se laisse guider par l'Esprit Saint. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Père, Fils, Saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur, lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le plus dévoile du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour les gens humains, il nous conduit par les sacrements des Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la vie de nos louanges, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, tous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-toi la
Souviens-toi aussi, Seigneur, des serviteurs et des servantes qui nous ont précédés, marqués des signes de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans l'Église, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Allez, Christ, mon Dieu, Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs et serviteurs, nous mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tout ce bien. Tu les sacrifies, leur donne la vie, les bénis, tu nous en fais le don. Thank you.
Prions le Seigneur. Accorde-nous